les gars, bien ou quoi? Tranquille, petit check, tu connais. Aujourd'hui, on va parler d'une petite vie, c'est un petit sujet, smile tout simplement. Smile en plus, j'ai dit comme un con, slime, pardon, excusez-moi. On va parler de slime les gars, savoir, c'est vu au titre de la vidéo, faut-il augmenter toute sa box? C'est ça la grande question. En vrai, ça revient pas mal sur le stream, donc du coup, j'ai décidé d'en faire une petite vidéo, et on va y répondre. Mais dans un premier temps, juste l'event. L'event, par exemple, il nous demande de jouer de la team obscure. Alors, vous l'appelez obscure, dark, lunaire, tout ce que vous voulez. La team obscure. Sauf que bah, ce ne sera pas le seul event qui sera comme ça. Et comme vous avez aperçu, il nous demande de faire un certain nombre de points pour justement, dropper les fameuses récompenses. D'accord ? Donc, plus vous avez d'obscurs dans votre team, plus votre team va avoir, entre guillemets, un drop rate. Donc, on va regarder. Moi, je crois que je suis à 82% je crois, en drop rate. C'est ça, 82% en drop boost. Je suis à 82% en drop boost. Donc, c'est intéressant d'aller monter ces teams, ces persos de team obscurs pour pouvoir les jouer peut-être un maximum, de pouvoir jouer un maximum si vous en avez. Si vous en avez pas, bah, mettez-les en super, mettez au moins les SR en super, justement, comme ça vous allez avoir un peu de drop rate. Bon, vous avez au moins le Benimaru. Mais voilà. Et ça, ce ne sera pas le seul event qu'il va falloir faire plus tard. Il va falloir aussi choper des vents, des terres, des lights, des cubes. Enfin, il va falloir faire une team vraiment axée autour de chaque élément par la suite. Donc, à la question, faut-il maxer toute sa box? Oui. Alors, oui et non. Dans un sens, regardez. Moi, par exemple, sur ma team 1, je suis parti sur une team cube, ok? Parce que j'ai un protecteur 5 étoiles qui est cube, ok? Donc, bon, j'ai mis mes meilleurs personnages, tout ça, mais j'ai mis le Limul qui est cube. Je projette par la suite de mettre la Milim cube, et je suis en train d'augmenter quelques SR qui sont cubes pour pouvoir justement les mettre dans une team cube. Bon, ça en soi, c'est ma team pour farm l'histoire en soi, en soi, entre guillemets, mais c'est l'avenir, tu vois, genre c'est l'avenir de la team cube. Ensuite, j'ai la team Dark Feu, tu vois, genre Dark Feu, avec le Limul ici, bon, pour l'event, au cas où, sur le dernier level, des fois, où, bah voilà, il y a un perso qui meurt, c'est toujours bien d'avoir un petit Limul niveau 92 qui arrive sur le terrain, tu vois, c'est pas non plus dégueulasse. Surtout que j'ai pas encore d'autres personnages à monter pour la team Dark, donc j'ai privilégié le Limul à la place d'un autre personnage. Et après, je suis parti sur une team Light Terre. Ok, Light Terre. Bon, ça, c'est vraiment un projet. Pour le moment, on n'est pas du tout trop bien là, tu vois. Mais c'est un projet. C'est un projet par rapport à ça. Donc moi, personnellement, je pense qu'il va falloir augmenter vraiment ces personnages de type Light Terre. Même si vous n'avez pas de perso 5 étoiles, même si vous n'avez pas de perso 6 étoiles, c'est pas grave. Des persos SR feront l'affaire pour passer justement, pour avoir ce certain drop boost et pour pouvoir potentiellement passer d'autres, enfin des levels en fait. Parce qu'on parle d'event, mais il faut savoir qu'il y a aussi celui-ci, le Conquest. Qu'il va falloir aussi passer, et donc comme vous pouvez voir aussi, il va falloir créer aussi une team appropriée justement pour pouvoir passer ces levels. J'ai vu un screen qui est passé sur le stream de quelqu'un qui a passé le type feu, je crois que c'est le type feu, ou je sais plus, genre bref, il a passé mais avec 3 ou 4 persos SR dans sa team, avec un boost, avec un protecteur du type adéquat. Donc c'est tout à fait possible de le faire. C'est tout à fait possible de le faire, mais pour ça, il faut augmenter ses personnages. Est-ce qu'il faut utiliser des doublons maintenant pour pouvoir augmenter ses personnages SR, ou vaut mieux aller dans le coin shop? Malheureusement, le coin shop, il est extrêmement cher, les amis. Il est extrêmement cher, comme on peut aller voir. Pour juste un petit fragment, c'est 8 doublons de SR. Clairement pas intéressant. Là, on est à 2 doublons pour un fragment. Pas intéressant, c'est pareil, en sachant qu'il faut 5 fragments pour choper, pour avoir une étoile supplémentaire sur un personnage, enfin une étoile, genre bref, on s'est compris. Pas intéressant,
Le ticket or, bon, 4 doublons, je suppose qu'il en faut 10 pour faire une multi. Très compliqué. Là, là, je crois que c'est pareil. Il faut, je crois qu'il en faut, il en faut 5, non? Attendez, on va regarder. J'ai un doute, mais je sais plus combien il en faut. Je crois qu'il en faut 5 pour les protecteurs. Hein, pour augmenter les protecteurs. Awoken. Ouais, c'est ça, il en faut 5. Donc vous voyez, 5 pour augmenter... En fait, même si t'es free-to-play ou même petit cash player, ça revient extrêmement cher. Et je parle même pas après des... Ça c'est pareil, trop cher. Trop cher. Le seul qui est intéressant, c'est celui-ci. C'est le bazar. Le 3 étoiles bazar. Qui peut être intéressant dans le sens où... bah, moi, personnellement, les 3 étoiles, je ne les monte pas. Genre, ils vont me servir quasiment à rien. Peut-être, faut que je regarde... Peut-être sur, ça va donner un boost supplémentaire, vous savez, sur le Build Nation, là où vous pouvez mettre vos personnages. Mais il faut que je regarde si vraiment de mettre un 3 étoiles en 4 ou en 5 étoiles, ça permet d'avoir un petit boost supplémentaire au niveau de la Build Nation. Mais à voir, ça c'est à voir. Donc moi ce que je vous conseille, c'est vraiment d'augmenter tous les SR du jeu. Le coin shop vous oubliez. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai droppé quand même pas mal. J'ai fait pas mal de multi-invocations sur le jeu. Et je n'ai jamais. Enfin, si peut-être une fois. Peut-être une fois j'ai fait le coin shop SR. Mais sinon, j'ai très vite compris que c'était de la merde. Et jamais j'y retournerai, je pense. Ou à moins que, bah, justement, une fois que mon perso sera 6 étoiles, pourquoi pas l'utiliser là-dedans. Parce qu'il me servira plus à rien en soi le doublon. Mais pas avant en tout cas. Et on a le temps, le jeu vient de sortir, donc il n'y a aucun souci là-dessus, à la manière un peu de cette DS. Voilà, j'espère que la vidéo, les gars, vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé à construire ça. Je pense que je ferai une vidéo aussi présentation comment construire une team, pourquoi pas, ça peut aider peut-être certains, ou certaines. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir, à vous abonner, si ça vous dit en fait, si ça vous enchante. C'était Romain, les gars, à la prochaine, à plus tout le monde.